amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver après ce si long temps d'absence sur ma chaîne YouTube. Comme vous pouvez le constater, je suis enceinte. Ou alors j'étais enceinte parce que j'ai déjà accouché, Dieu merci. Et tout s'est bien passé. Donc voilà, j'avais fait cette vidéo pour partager avec vous à quoi ressemble une journée dans mon assiette. Comment est-ce que je mange en tant que femme enceinte. J'ai malheureusement pas pu faire beaucoup de vidéos, c'est la seule que j'ai pu faire, mais j'ai décidé de la partager avec vous. Donc, comme chaque matin, je commence d'abord par boire mon thé. Sans plus tarder, nous allons passer à la préparation du petit déjeuner. Ce matin-là, j'avais envie de manger les œufs, donc j'ai fait des œufs. Ajouter du cube bouillon pour assaisonner ainsi que du basilic sec. Pour un côté fondant, j'ai rajouté un peu de fromage. Donc si vous n'aimez pas, vous pouvez complètement laisser. C'était juste l'envie de ce matin-là. Donc, du coup, j'ai refermé mon omelette comme ça. Et j'ai laissé le fromage fondre à l'intérieur de mes œufs. Et c'est prêt. Donc, on va rajouter quelques tomates cerises. Qu'on va saler par la suite. Et le petit déjeuner est prêt. Je l'ai accompagné ce matin-là avec une boisson chaude, un cappuccino. Donc voilà à quoi ça ressemblait. On va passer maintenant au déjeuner. Et ce jour-là, j'avais envie de manger une bolognaise végétarienne à base de lentilles. Donc nous allons découper nos légumes, carottes, poivrons, oignons, ail. Et nous allons commencer la cuisson. Donc je vais rajouter de l'huile dans ma casserole et faire revenir mes légumes découpés. Et pendant que les légumes sont en train de mijoter dans la marmite, on va laver nos lentilles. Les lentilles rouges. Donc bien les laver. Et ensuite on va les rajouter à la préparation. Nous allons pour la suite rajouter un peu d'eau à votre convenance et ensuite nous allons rajouter de la purée de tomate, du concentré de tomate. Donc là, nous allons assaisonner. Alors, assaisonner avec les épices qui vous conviennent. Là, j'ai rajouté du basilic, des herbes de Provence, du piment. Et je vais saler par la suite. Pour moi, c'était un peu lourd à ma convenance, donc j'ai rajouté de l'eau. Sinon, si la texture vous va, alors vous laissez telle qu'elle. Et nous laissons mijoter pendant quelques minutes. Alors les amis, c'est un repas assez rapide. Et c'est tellement bon, vraiment bon.
Je ne sais pas si vous aimez les lentilles, mais moi, j'en raffole. Donc, quand je n'ai pas envie de manger de la viande, quand je veux un peu changer, c'est un de mes repas. Donc là, c'est prêt. Nous l'avons accompagné avec des pâtes. Alors, les amis, essayez et vous allez me dire, c'est vraiment, vraiment bon. On ne s'en rend même pas compte qu'il n'y a pas de la viande à l'intérieur. Donc, pour les beaux yeux, pour la décoration, nous allons mettre quelques herbes vertes. Et voilà. Donc là, c'était maintenant un petit snack. J'avais envie de manger quelque chose, de grignoter quelque chose. Et on avait des croquettes à la maison, communément appelées chin-chin en Afrique. Donc, j'en ai mangé. Et là, nous allons passer au dîner. Et ce soir-là, j'avais fait une salade de rucola et avec une burrata. Donc, nous allons laver nos légumes. Les amis, c'était une journée où j'ai mangé ce que j'avais envie. Voilà, ça allait d'être healthy. Mais bon, il y avait des jours où on trichait un peu. Donc ne vous fiez pas aux apparences. C'était une journée saine, disons. Mais sinon, il y avait des jours où on mangeait du chocolat et tout ce qui va avec. Donc les légumes sont lavés. Nous allons alors découper et dresser dans notre plat. Donc là, j'ai rajouté à ma salade des concombres découpés et là, je suis en train de découper des tomates cerises. Je vais ensuite rajouter du thon. Et là, on va rajouter notre burrata. C'est trop, trop bon. J'aime ce fromage. Je sais pas si c'est un fromage, je pense. Mais voilà, ça se rapproche un peu de la mozzarella. Et c'est vraiment bon. Les amis, j'ai rajouté à la fin une sauce achetée au marché. Très bonne. Sinon, vous pouvez faire votre sauce à la maison. Donc voilà, nous sommes arrivés au thème de la vidéo. J'espère que ce nouveau format vous plaît. On en verra très fréquemment sur ma chaîne. Je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine. Bye!